Salut les amis, soyez bienvenus dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer un problème de démarrage que j'ai sur la voiture Citroën C4 Picasso. Donc voilà les amis, donc j'ai arrivé le matin là, il fait très froid aujourd'hui. Il fait même zéro la température là, ça caille ce matin les amis. Et là, je vais déverrouiller ma voiture là, je vais ouvrir le centralisé déjà, il ne marche pas. Donc avant tout les amis, si vous êtes nouveau par ici, je vais vous demander pour s'abonner dans cette chaîne, laissez-moi votre plus, laissez-moi votre commentaire. Je ne peux pas débloquer ma voiture. Et là, quand je vais essayer de débloquer avec la clé. Donc je vais insérer la clé. Donc là, j'ai aussi ouvert avec la clé. Et là, je vais mettre le contact. Donc j'ai rien au tableau de bord. Donc vous voyez, je tourne la clé. Donc j'ai rien qui s'allume. Probablement j'ai un problème de batterie. Donc on va voir tout ça. Voir si j'ai vraiment un problème de batterie. J'espère bien. Je crois même que c'est un problème de batterie. Donc si vous avez ces problèmes là, je vais vous apprendre comment vous allez contrôler ça. Donc on va devant le véhicule. Donc voilà. Donc là j'ai ouvert mon capot. La batterie, ça se trouve là, à gauche de la voiture. Donc je vais enlever le cache qui est là. J'ai enlevé l'autre cache qui est derrière. Donc, qu'est-ce que je vais faire, mes amis? Si vous possédez un multimètre, il va bien vous servir maintenant. Donc, si vous n'avez pas un multimètre, je vous laisse un lien juste en dessous de cette vidéo. Vous allez trouver un bon multimètre et pas cher. Donc, vous pouvez toujours commander sous le lien que je vous laisse juste en dessous de cette vidéo. Donc là, je mets bien mon multimètre. Je mets bien sur voltage là, en voltmètre. Je mets bien sur le plus. Et là, je vais chercher mon moins. C'est pas celui-là. Celui-là, c'est le plus aussi. On va chercher le moins de batterie. Si vous n'arrivez pas à voir là le moins, vous pouvez toujours faire la masse sous le moteur. Vous pouvez chercher le moins sur le bloc moteur. Donc tout ça là, c'est la masse de votre voiture. Donc le châssis, c'est la masse. Le bloc, c'est la masse. La masse du moteur là, c'est le support moteur, c'est la masse. Oh, je peux toucher bien sur l'alternateur même. Ici là. Et là, j'ai combien? Zéro. 0,01. Donc ça veut dire que ma batterie, elle est vide, vide. J'ai pas de courant, donc ça ne démarrera jamais. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai mon booster qui est là. J'ai mon beau booster qui est là, je vais installer et on va voir si ça va marcher après. On va voir si ça va marcher. Donc là, j'ai mis mon booster en 12 volts parce que j'ai le puissant 24 volts et 12 parce que moi je fais des poids lourds aussi. Donc là, je peux mettre 24 et là, je peux mettre en 12. Donc il est bien chargé mon booster, il est vert. Donc voilà, on va brancher. On va brancher sur le plus, le rouge sur le plus et on va bien brancher sous le moins. Donc voilà, si on n'arrive pas à trouver le moins là-bas parce qu'il y a une plaque là-bas qui gêne, on va chercher le moins sous le moteur. Donc voilà, on peut toujours chercher ici là, un endroit de masse côté moteur. Donc là, il m'a allumé le phare. Donc déjà, il m'a donné un signe que ça marche. Donc là, on va démarrer, on va essayer de démarrer maintenant. On va contrôler bien si on a un bon voltage maintenant, si on touche le moteur. Donc là, on va voir combien on a sous la batterie maintenant. On est 12 volts avec le booster, donc ça devrait démarrer 12 volts. Donc je branche là-bas sur mon plus, et je branche sur la masse là-bas, sur le moteur. Sur une masse là, j'ai pris la masse de l'alternateur. Donc ça me fait 12 volts. Donc voilà, on va le démarrer maintenant, on va essayer de démarrer. Normalement ça devrait démarrer. On va voir ça. Donc voilà, déjà j'ai le contact, j'ai tout. Et là, je démarre. Là, il démarre bien. Nickel. Si cette vidéo, ça vous a plu, je vous invite à s'abonner dans cette chaîne. Laissez-moi votre commentaire. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao.